It's not the same now. We done came round and turned this music shit into another playground. And they some babies like Huey, bars like a Chewy. Longest slice of. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce match que je vais avoir l'immense plaisir de commenter avec Franck Sauzet. Alors que dire de ce match qui va opposer le FC Barcelone au Real Madrid? Eh bien Hervé, ce sont tout simplement les deux plus grands clubs espagnols, mais aussi deux très grandes formations européennes. Voilà, on le sent, il y a de l'électricité dans l'air. Bien servi par David Villa. Pic. Fabregas. Xavi. Yes. Xavi. Il espère quoi là? Un tirant. Pas marqué, j'espère. Un sort danger pour le gardien. De Carvalho. Ozil. Benzema. Oh, c'est bien centré ça. Il a un petit peu rêvé là. Cristiano Ronaldo, peut-être un petit peu loin pour inquiéter le gardien. Fermé sur les côtés, il a perdu le ballon. Ozil. Karim Benzema. Lionel Messi. Passe imprécise là de Cesc Fabregas. Xavi pour essayer de reprendre ce ballon. Meringue et qui reprend une possession du ballon. Xabi Alonso. Oh, il fait ce qu'il veut et se balade littéralement dans la défense. Fabregas. Lionel Messi. David Villa. Ah, c'est un attaquant qui n'a qu'une obsession, tire au but. Fabio Contrao. Fabregas. Oh, elle est dangereuse cette frappe. Ballon bien négocié par le gardien. Laissez Barcelone qui récupère. Xavi. Fabregas. Avec Messi. Et c'est Cristiano Ronaldo qui est sur ce ballon. Elle a décidé de conserver ce ballon. Elle s'ouvre un boulevard. Ça va aller très très vite. Cristiano Ronaldo balle au pied avec un adversaire sur les deux. C'était quoi? C'est une passe. En jeu, style l'arbitre. Messi. J'aimerais bien avoir votre sentiment sur ce joueur, Franck. C'est le genre d'attaquant que les milieux adorent. Toujours essayer de se démarquer, à apporter des solutions. Surface. Et la défense pas mécontente de récupérer ce ballon. Ah, c'est une touche trouvée dans les 30 derniers mètres pour le Real Madrid. Ozil. Fabio Contrao. Marcelo. Fabio Contrao. Alonso. Fabio Contrao. Récupéré par l'adversaire avec Daniel Alves. Il vient au duel avec Daniel Alves. Allez dans la boîte. Un centre un petit peu raté finalement. Fabregas. Bon vieillissement sur cette passe. Et il se rapproche dangereusement des buts. En très bonne position, il faut qu'il centre. Et Antoine Di Maria
corner pour le Real. C'est le coup de tête. Ah, dommage, là, vraiment, ils avaient l'occasion de prendre l'avantage au score. Eh ouais, il n'a pas pu bien se positionner pour réceptionner ce corner. C'est finalement récupéré par le Real. Joli centre, ça peut faire. Et le gardien qui s'interpose. Voici Nesta. Et Cristiano Ronaldo maintenant. Attention à lui, il dégaine très vite. Ah oui, le centre, juste ballon de la tête. Et directement sur le gardien qui n'a pas eu à bouger. Avec David Villa. Xavi. Dans la surface. Attention, ce ballon qui traîne. Et ce centre qui ne donne rien. Et l'adversaire peut repartir. Ça circule bien, c'est beau. Dans le bon centre. Alors là, c'est fini. Pépé. Et ce ballon qui traîne. Adieu, Pentrao. Ça joue. Ouais, très bien joué ce centre. Les 22 acteurs regagnent donc le vestiaire sur ce score de parité. Les joueurs qui regagnent le vestiaire sur ce score de parité, c'est un véritable ratage. Vous avez raison, rien n'est fait encore. On assiste à un match très serré. On se rend coup pour coup. L'arbitre qui donne à l'instant le coup d'envoi de la seconde période et c'est le Real Madrid qui a le ballon. Qui hésite, le point de pénalty. Pénalty pour le Barça. Oh, il vient buter sur le gardien. Et oui, très bonne anticipation du gardien. Xabi Alonso. Karim Benzema. Abidal. Lionel Messi. Le centre peut-être maintenant. Rocky au point de chute. Le Sergio Ramos s'éloigne le danger. Qui récupère pour David Villa. Il passe les défenses. Oh, quelle occasion! Oh, poteau et le ballon qui revient en jeu. Ballon pour piquer.
espagnol pour essayer de reprendre ce ballon. Ah, la belle passe, ça chauffe. Belle. Ouais, c'est bien tenté, mais Garrido capte finalement ce ballon. Un lob un peu court. Ozil. Angel Di Maria. Il a bien son centre. C'est bien entré à nouveau. De toute façon, restez clair, il n'est pas très content. Les joueurs du Real qui bénéficieront d'un corner. Ouais, la tête. Ah, ils essaient de prendre le match à leur compte. Et le tacle dans la surface, c'est osé. Mais il a eu raison, ça a payé. Xavi. C'est bien taclé, il faut récupérer ce ballon maintenant. Et Merengue qui reprend possession du ballon. Toujours en possession du ballon. Ah, ça pousse bien du côté du Real Madrid. Merengue. Alors nous voilà sortis de l'impasse dans cette seconde période. Iniesta. Il n'y a pas plus de frayeuse ballon qui sort en touche. Avec Cristiano Ronaldo. Ozil. Busquets. C'est finalement récupéré par le Real. Fabregas. Iniesta. Ozil. Ça a été la récupération. Xavi. Et Cristiano Ronaldo qui cherche à jouer ce ballon. Ozil. C'est Xavi qui sera le premier sur ce ballon. Et l'intervention de Xavi Alonso qui relance. Pour le gardien, ah, il a bien anticipé. Un faute contre le Real Madrid. Avertissement sans frais finalement. Oui, mais si vous voulez mon avis, l'arbitre a dû être très clair avec lui. C'est Barcelone qui récupère. Ballon pour David Villa. Xavi. Au centre, seul défenseur. Juan Di Maria. Ozil. Pour Messi. Oh, très dangereux ce ballon qui se balade. Ah, le Barça qui bouleverse complètement ce match en une seule action. Oh, c'est un match très serré, hein, extrêmement serré. Et les voilà donc la égalité un peu partout. Karim Benzema. Iniesta. Ouais, ça c'est bon comme intervention, c'est propre, efficace. Puyol qui vient en contact. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Oh oui, le centre, il y a danger. Le ballon rendu à l'adversaire finalement. Benzema, on peut être le coup de poignard. Ah oui, le but. Le but, celui qui va peut-être leur donner la victoire car il reste peu de temps.
but absolument crucial qui vient d'inscrire. Oh, quel con, le supporter tellement jaillir, exploser pour aller marquer ce but. Et il prenait devant, le score qui est de 2 buts à 1. Là, c'est Nesta. Oh, ça va pousser hein, dans les dernières minutes pour égaliser. Et il est bien placé pour centrer. Oh, c'est dans la surface. Le gardien va pouvoir se dégager. Fabio Pentrao. Karim Benzema. Busquets. Et voilà, 3 buts au total dans ce match. C'est fini pour une victoire de 1-2. Notre sentiment, Franck, un bon flou. Oui, une fois de plus, ça s'est joué sur un coup d'accélérateur en toute fin de match. Vous savez, hein, quand une équipe est capable comme ça de faire la différence dans les dernières minutes, c'est signe d'un gros mental et d'une grosse confiance en eux. Nouveau rendez-vous de football aujourd'hui. Bonjour à tous, bonjour Franck. Bonjour mon cher Hervé. Ça s'est donné par Xavi. Iniesta, bonne passe. Un petit pronostic peut-être? J'étais sûr que vous alliez me poser la question. Pour moi, ça ne jouait pas grand-chose là. Les deux formations sont du même niveau. Les coups de pied arrêtés, à mon avis, devraient être importants. Donc Carles Puyol marqué de près. Et les joueurs du Real Madrid obtiennent donc un corner. Barbès a volé. Ah, il n'a pas bien pris ce ballon. Non, c'est une frappe dévissée. Pic. Avec Abidal. Ozil. Et ça continue. Oh, attention à cette occasion de remarquer. Ouais, c'est repoussé. Oh, ça va rentrer. La frappe lourde de Cristiano Ronaldo, ça passe juste à côté. Et il a eu raison de tenter sa chance, il a déjà marqué de cette distance. Benzema qui lui dispute ce ballon, a peut-être un bon coup à jouer. Ah oui, il lui a repris le ballon au tout dernier moment. Ok. Allez, on dégage loin devant. Fabregas. Fabregas. Et le but pour conclure peut-être. Cette action qui a été très bien amenée. Oui, très bonne inspiration. Et dans la passe qui aurait pu être décisive. Derrière, c'est le gardien qui a le dernier mot. Karim Benzema. David Villa. Ah, c'est un attaquant qui n'a qu'une obsession, tirer au but. C'est bien centré, attention. Un centre bien négocié par le gardien. S'il ne vient pas le contrer, il va frapper, ça c'est sûr. Ah oui, c'est pas mal ce centre. Attention, ce ballon qui traîne. C'est plutôt, je trouvais, dans les 30 derniers mètres pour le Real Madrid. Ça n'ira pas plus loin. David Villa. Pressé par son adversaire. Excellente récupération sur les côtés, ça va repartir. Ozil. C'est repris par Fabregas. Il est sur la trajectoire. Et Iniesta récupère le ballon. Elle vient lui prendre ce ballon. Marcelo. Oh, interception de Xavi. Le bon quartier, mais c'est pas fini. Le gardien qui est à la réception du centre. C'est dégagé. Xavi. Lionel Messi.
c'est une position de hors-jeu finalement signalée par l'arbitre. Fabio Contrao. Il intercepte. Le Carles Puyol qui repart avec le ballon. C'est une faute du joueur du Real. Il s'en tire simplement avec un avertissement verbal. Oui, mais attention à la prochaine faute. Très belle intervention, très propre. C'est bien donné. Oh, tout ça pour ça. Non, ça n'ira pas plus loin, ballon dégagé. Attention, le but peut-être dans un instant. Et l'intervention décisive du gardien de but. Allez, corner à suivre pour le FC Barcelone. Tête. Allez, on place au gardien, bien placé. Oui, bien défendu. Fabio Contrao. L'intervention de Fabregas. Ozil. Ballon pour Cristiano Ronaldo. Ah, c'est dangereux ce ballon qui traîne. Ah, les défenseurs vont pouvoir dégager. Lionel Messi. Franck, à votre avis, qu'est-ce qui se prépare aujourd'hui? Le joueur qui se dépense souvent sans compter sur le front de l'attaque. C'est un contact de Xavi qui récupère. Xavi Alonso. Attention, il s'est livré hein, sur ce tacle. Fabregas. Benzema. Ozil. Fabio Contrao. Le débordement n'est pas passé. Ballon récupéré. Avec David Villa. Xavi. Et qui va reprendre le ballon? Ozil. Oh, c'est le centre. Le temps à voler. Une défense un petit peu passive sur cette action. Et attention, parce qu'avec lui d'habitude, les erreurs se cachent. Pour David Villa. Messi. Et déjà 45 minutes écoulées dans ce match. Une première période où rien n'est fait pour le moment. Et les deux équipes sont au coude à coude et le suspense reste entier pour la seconde période. Ce sont les joueurs du Real Madrid qui donnent le coup d'envoi de cette seconde période. Karim Benzema. Ozil. Fabregas à l'interception. Ah, ça tourne bien. Hein. Oh, la voiture! Oh, poteau et le bat 2 pour le FC Barcelone! Il fallait bien que ça s'arrête, hein. Le gardien de but qui doit s'incliner enfin. Ouais, il s'incline pour la première fois, mais faut n'oublier pas hein, qu'il a déjà sauvé les meubles à plusieurs reprises. Et c'est donc l'ouverture du score 1-0. Fabregas. Bon, finalement, il reprend sa place. Et on commençait à s'inquiéter. Hein. Bon, ce très bon ballon qui aurait mérité un meilleur sort. Et c'est évident. D'ailleurs, le joueur s'en excuse auprès de son partenaire. Ozil. Et les défenseurs qui vivent un véritable cauchemar. Fabregas. Avec Messi.
de l'intervention, le tacle glissé. Ozil. Une interception in extremis. Messi. Peut-être le but. Ouais, une frappe hors du cadre, largement au-dessus de la barre. Ricardo Carvalho. Ozil. Angel Di Maria. Oh, bien vu le centre. Regardons qui soulage sa défense. Et ce vrai gardien n'a toujours pas pris de but lors de cette rencontre. Oh, il y a du monde pour prendre le but. C'est à refaire, un but partout. Fabio Contrao, Ozil. Le FC Barcelone qui récupère. Bien sûr, il suffit que je dise ça. Il est le premier sur cette passe. Et Meringue et qui reprend une possession du ballon. Monsieur Valente Larrazabal qui s'approche du joueur. Cristiano Ronaldo, dans un registre qu'il affectionne. Ouais, les frappes de loin, mais le gardien est bien placé. Là, c'est sans danger pour la défense, hein, le corner. Le défenseur se fait bousculer, mais c'était dangereux, mais ce ballon est contré. Est-ce qu'il va pouvoir centrer ? Attention, danger. Ce centre ne trouve personne, par un joueur adverse. Oh, c'est dans la surface. C'est dégagé par Dani Alves. De concentration là de Iniesta. Ricardo Carvalho. Cristiano Ronaldo. Ozil. Il peut aller au bout. Charlie pour essayer de reprendre ce ballon. Charlie qui reprend ce ballon proprement. Pour Messi. Alonso. Angel Di Maria. Barça est à la récupération. Ozil. Et Cristiano Ronaldo maintenant. Angel. Messi. Bien joué, bien involontairement avec l'arbitre. Et bonne inspiration sur cette talonnade. Andrés Iniesta. C'est récupéré, il faut bien jouer le coup maintenant. Xavi. C'est bien battu sur l'aile. Ozil. Il semble se diriger tranquillement vers un match nul. Il ne reste plus beaucoup de temps pour faire la différence. Ah, il faut tourner. Ah, il fallait pas rater ce geste, c'est bien joué. Au prochain arrêt de jeu, il faudra le remplacer. Daniel Alves qui tente de récupérer ses ballons. Et l'arbitre, il a vu la faute commise par le joueur du Barça. Et l'arbitre vient d'accorder un coup franc bien placé suite à cette vilaine faute et il sort le carton rouge. Fin de match assez tendu à laquelle nous assistons. Eh oui, carton rouge mérité. En tout cas, ce coup franc est une véritable occasion de but. Là, peut-être la balle de match.
tandis que l'entraîneur a passé derrière Karn avec ce changement. Manifestement, il veut gagner ce match. Christian, je crois que ça frôle le montant. Et quel dommage, ce but aurait vraiment fait du bien. Caspiol. Pinto. Cristiano Ronaldo qui cherche à jouer ce ballon. Il ne lui a pas échappé. Ozil. Et il se rapproche dangereusement des buts. Oh, un joli centre, ça peut finir au fond. Et la défense repousse. Oui, il a un peu d'espace. Réception du centre. C'est un très bon ballon, ça. Attention, ce centre. Il coupe court à cette occasion. Et il perd le ballon à la suite de ce centre qui n'a trouvé personne. Et bien voilà, score de parité donc après 90 minutes de jeu.
Alors dans la prolongation, on sait que c'est surtout dans la tête hein, que ça se joue. Ce sont les têtes qui font avancer les jambes. Oh, le tacle glissé. Karim Benzema. Le Real Madrid qui s'approche du but. Le tacle, le ballon qui ne prend personne. Il va remettre sa volée. Oh, le but du Real Madrid. C'est souvent déterminant les joueurs ont beaucoup donné dans ce match. Avantage au Madrilène pour le moment. Un magnifique centre, le défenseur se met hors de position. Puyol. Il intercepte. Oh, il peut centrer. Sur un défenseur. Oh, ça va être dedans. C'est tout simplement son deuxième but personnel aujourd'hui. Et ça fait maintenant 3 buts à 1 au tableau d'affichage. Allons pour David Villa. Fabregas. Allez, faut construire là. Abidal, David Villa. Allez, il va peut-être pouvoir repiquer au centre avec cette interception. Ça joue, dit l'arbitre. Lui qui est plutôt adepte du sifflet d'habitude. De Busquets. Fabregas. Du ballon, c'était un petit peu trop fort en effet. Et le gardien qui s'enflamme, qui a décidé de jouer les libéraux. Oh, il est fou! Et il continue tout seul. Il perd le ballon. Ozil. Benzema. Abidal avec Messi. Oh, attention, ça pourrait être dangereux. Ah, attention, la frappe. Oh, non, contre. Le gardien qui ne peut que repousser, c'est pas fini. L'arbitre qui indique que la première période de la prolongation est terminée.